Pendant la guerre froide, l'armée rouge comptait près d'un million d'hommes en Ukraine, en raison de son importance stratégique. Dès le lendemain de la chute du mur, l'argent a cessé d'affluer. Il n'y a pas de meilleure aubaine pour un marchand d'armes que des militaires livrés à eux-mêmes, disposant d'entrepôts pleins à craquer. Je comptais sur le général Dimitri Volkov pour m'ouvrir les portes d'innombrables bases militaires et de leurs armureries. Nous étions avant tout parents. C'était un héros de l'armée rouge bardé de décorations et il ne dessoulait pratiquement jamais. Tous ces stocks restent quand même la propriété de l'État. Je dois demander la permission. La permission de qui? De Moscou? Depuis la semaine dernière, Moscou est une capitale étrangère. Nouveau drapeau, nouveau patron. Il n'y a pas encore de nouveau patron. Ils sont trop occupés à se disputer pour savoir qui aura le droit à la belle résidence d'été au bord de la mer Noire. C'est magnifique. Ceux qui savent s'en lavent les mains et les autres ne savent rien. Fais voir ton inventaire. Quarante-cinq ans de haine mutuelle entre l'Est et l'Ouest avaient engendré la plus colossale production d'armement de toute l'histoire. Les Soviétiques croulaient sous les armes. Ils avaient des stocks énormes et plus d'ennemis. Combien de Kalachnikov vous avez en réserve? 40 000. C'est un 4, ça? J'ai pas l'impression que ce soit un 4. Pour moi, c'est un 1. Non, c'est un 4. Ce sera ce que nous déciderons. De toute façon, personne ne s'en apercevra. 10 000 Kalachnikov pour un bataillon. C'est un stock très insuffisant, Dimitri. Faut en commander d'autres à l'usine. Quelqu'un s'en apercevra un jour, Yuri. Et qu'est-ce qui se passera? On lui graissera la patte. La fin de la guerre froide marqua le début du grand boom dans le commerce des armes. Le bazar était ouvert. Missiles tactiques, missiles stratégiques, mortiers, mines, véhicules de transport blindés, des divisions entières de chars. J'ai même touché toute une escadrille d'hélicoptères de combat. Les machines de guerre les plus sophistiquées, fabriquées pour une guerre contre les États-Unis qui n'eut jamais lieu. Grâce à moi, elles allaient bientôt pouvoir s'exprimer. Bien entendu, ce n'était pas exactement ce que le camarade Lénine prévoyait lorsqu'il pratiquait la redistribution des richesses. Mais je n'étais pas le seul à proposer des cours de capitalisme accéléré. J'avais de la concurrence. Allez dire à votre général que Siméon Weiss souhaite le rencontrer. Vous ne savez pas qui je suis? Ni Plevakto. Tavarich général. Vous êtes en retard? Oui, j'ai l'impression.